Bonjour à tous et bienvenue dans Indie Critique. Aujourd'hui, on s'attaque à Hero Siege. Hero Siege, un jeu développé par Elias Viglione, je ne sais pas comment le prononcer, à vous de choisir. Pour moi, son nom fait penser à une marque de spaghettis, les spaghettis Viglione, oh yeah. Édité et publié par Panicker Studio, le principe est simple, vous créez un personnage parmi les 10 classes disponibles, viking, pirate, paladin, nécromancien, amazon, rôdeur, samouraï, nomade, pyromancien et redneck, ou comment brûler et trancher les ennemis avec une tronçonneuse. Puis, vous rentrez dans un niveau et vous tuez des vagues d'ennemis. Une fois un certain nombre de vagues terminées, un boss aléatoire apparaîtra. Il faudra le battre pour accéder à la série de vagues suivantes et ainsi de suite jusqu'au boss final du portail que vous avez choisi au début. Vous pouvez tomber sur des quêtes peu travaillées, il suffit de ramasser 2-3 objets. Vous pouvez également rentrer dans les donjons qui sont souvent bien plus durs que la zone où vous vous trouvez, et la récompense n'est souvent pas à la hauteur du sacrifice de clés, de temps et de vie. En parlant de récompense, vous trouverez des fois, après un boss dans les donjons ou dans les coffres d'or à la surface, des reliques et des potions. Vous ne pouvez porter qu'une potion et plusieurs reliques sans que vous n'en portez qu'une d'activable. Ouais, c'est pas très clair. En gros, vous aurez des augmentations à l'objet actuel qui déchire sa race ou qui est aussi inutile qu'une vache. En lisant la description du jeu sur Steam, je me suis dit qu'il serait de bon ton d'expliquer les termes pour faciliter la critique. Alors commençons par hack and slash. En français, on pourrait le traduire par tailler et trancher. Le terme hack and slash est souvent utilisé pour différencier les purs jeux de rôle des jeux d'aventure action, et ce justement pour définir les jeux orientés action. On progresse dans un niveau à grands coups d'épée et de sort entre autres en étant toujours son passage. C'est en gros la simulation d'un aspirateur. Passons ensuite à l'aspect roguelike. Un roguelike est une famille de jeux vidéo dont le gameplay est inspiré de Rogue. Sorti sur ordinateur en 1980, traditionnellement le joueur explore un ou plusieurs souterrains générés aléatoirement avec une difficulté assez élevée. Enfin, voyons ce qu'est l'aspect RPG. Le RPG c'est un style de jeu remontant au premier jeu de rôle sur table, c'est dire qu'on a beaucoup à parler sur ce genre, mais on va abréger. Vous incarnez un personnage dont les caractéristiques évoluent à mesure où vous jouez avec celui-ci. Bien entendu, ce style de jeu est riche en histoire, que ce soit sur le personnage ou sur le jeu en lui-même. Le joueur peut interagir avec d'autres personnages non-joueurs ou PNJ afin de satisfaire leurs demandes nommées quêtes et ainsi construire une véritable histoire remplie de PNJ. On peut remarquer un très beau travail au niveau des graphismes, tout en pixel art extrêmement bien détaillé, et la qualité des musiques et des bruitages, quoique un peu lourd des fois. Ce jeu se prend facilement en main et offre la possibilité de jouer en multijoueur local avec une deuxième manette ou un clavier et une manette, mais aussi la possibilité de jouer en ligne. Par contre, il vous faudra payer un DLC pour y accéder. La diversité des personnages est incroyable, mais pour profiter de chacun d'eux, il faudra bien entendu payer quelques DLC. Mais ces points négatifs font pas le figure devant la vague de points négatifs qui afflue. En effet, le principe de payer un DLC ne me dérange pas. Mais lorsque les développeurs me prennent pour un con et me vendent des parcelles de jeu, j'appelle pas ça acheter, j'appelle ça prendre un crédit. On va me dire que j'en prends un pour payer une maison ou une voiture. Ensuite, le jeu est un foutoir incompréhensible, sans histoire alors qu'il se dit RPG, avec une difficulté qui dépend du personnage joué. Par exemple, jouer un personnage corps à corps est synonyme de mort horrible. Eh oui, pour infliger des dégâts, vous devez déjà en prendre, puisque les ennemis touchent votre hitbox avant que vous ne touchiez à l'heure, alors que jouer à distance, une facilité sans égale. C'est pour ça que j'ai choisi le nécromancien qui peut invoquer des punching balls pour vous protéger et lancer des sorts à distance. Il les invoque à partir de corps, mais il y en a partout, donc on s'en bat un peu. Et ainsi donc, ne pas se faire toucher par les ennemis, qui se battent corps à corps, pour la grande majorité d'entre eux. Et même ceux qui se battent à distance sont cons comme la lune. Et oui, ils attaqueront vos invocations avant vous. Ça, c'est un jeu bien codé. Ça se sent. Le problème du corps à corps inutile est qu'il enlève des possibilités de gameplay avec les autres personnages, mais ce n'est pas tout, sinon ça ne serait pas drôle. Parce que certaines classes à distance sont à l'égal avec les classes au corps à corps. Le pyromancien ne fait pas assez de dégâts et se fait atomiser à chaque round. Bon, après l'exemple de cette séquence n'est pas représentatif, car j'ai lancé toutes les vagues, mais je pouvais le faire avec le nécromancien, pourquoi pas avec lui. On a déjà dit que le jeu était un foutoir sans nom, mais en multijoueur local à deux, c'est pire! Regardez 10 secondes de gameplay en multilocal. C'est le bordel! Maintenant, imaginez 4 multijoueurs en ligne, en plus des lags! Je sais pas si les développeurs ont pensé à ça. Je pense surtout qu'ils ont pensé à se faire du fric. Boum, boum, boum.
voit également une grande inspiration venue de Diablo. Par exemple, quand les ennemis meurent et lâchent une enchantée par les arcanes, comme dans Diablo, une sorte de tourelle qui tourne et inflige de nombreux dégâts aux personnes restant dedans, alors que vous n'avez pas le choix étant donné que vous êtes submergé l'ennemi. D'ailleurs, certains ennemis sont des élites, comme dans Diablo, et bien entendu, ils sont bien plus résistants, peuvent tirer à distance, explosent quand ils meurent en lançant des boules qui explosent également, et peuvent même être résistants à toute forme de dégâts à distance, comme dans Diablo. Donc ils sont quasi increvables en pyromancien, encore plus pyromancien peut invoquer des monstres qui tapent encore. À la fin de chaque série de 5, 6, 7 vagues, vous trouverez des boss qui sont aléatoires, comme je l'ai dit. Ce qui implique que vous pouvez vous faire un boss d'une facilité sans nom, alors que certains boss seront durs à en crever. Bien entendu, si vous mourrez, vous perdez tous vos objets. Et recommencez tout le niveau, mais si vous perdez tous vos objets, la difficulté se rehausse, puisque vous n'avez plus d'avantage. Quand vous mourrez, vous devez reset le jeu, c'est cela qui vous fait perdre vos objets. Mais vous pouvez même le faire sans mourir, si vous perdez vos objets. Donc si comme vous le faites sans faire exprès, vous allez avoir envie de tuer des petits chatons. En conclusion, je pourrais dire que ce jeu est très mauvais, mais c'est bien plus insidieux que ça. En effet, les développeurs s'amusent à vendre le jeu en parcelles, mais en plus, la description qu'ils ont faite n'est pas justifiée. L'aspect RPG pourrait peut-être se montrer avec une faible quantité de quêtes qui apparaissent une fois sur trois dans les niveaux. Mais non, ce n'est pas RPG, c'est juste un rajout inutile. Pour son aspect hack and slash, nous pouvons valider, étant donné que c'est le principe du jeu entier de passer l'aspirateur. Enfin, c'est un moitié roguelike, puisque ce n'est pas des souterrains. Certes, les niveaux sont générés aléatoirement, encore que... Mais la difficulté dépend du personnage choisi. Puis bon, changer 3 tiles, c'est pas aléatoire, c'est du foutage de gueule. Je mettrai en description hack and slash Diablo-like avec des éléments roguelike. Son prix est de 4,99€ sur Steam et de 22,94€ avec tous les DLC sortis à ce jour. Autant dire que je préfère payer Diablo qui est certes plus cher, plutôt qu'une pâle copie bâclée à 23€. Et bien, c'est tout pour cette critique. Merci d'avoir regardé cet épisode d'une critique. N'hésitez pas à donner votre point de vue avec des commentaires constructifs et mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode. Vous pouvez me suivre sur Twitter, @martin25, et sur cette chaîne aura une page Facebook. Wouh! Suivez-moi aussi sur Twitch pour les lives, je ne fais pas qu'une des critiques. Abonnez-vous surtout pour ne rien manquer des let's play narratifs, des rediffusions de live, etc. Et surtout, surtout, partagez cette vidéo, c'est le plus important. Sur ce, je vous laisse, mais n'oubliez pas, passez l'aspi pour 23€, ça fait mal au derche.